Aha. Alors, quand vous utilisez des compétences en combat, il y a des chances que les PM ne soient pas consommées. Bah évidemment qu'on prend ça. Tu t'es habitué au nouveau style de combat amélioré par Ion? Ouais, plus ou moins. Très efficace, mais j'ai toujours quelques réserves. L'histoire des invocateurs ne date pas d'hier. Je me sens un peu coupable de soudainement rejeter tout ce que les pionniers ont bâti. Question de tradition, j'imagine. Je comprends où tu veux en venir, mais tu ne crois pas qu'embrasser de nouvelles idées est tout aussi important? Eh bien, je ne parlais pas seulement de technique, il y a également un aspect émotionnel. C'est tout. Et là, y a rien. Alors, il nous manquait Saizo, du coup. Eh ben, on y va. Je crois que j'avais buté le boss côté Milady. Il me semble. Le furet, c'est l'emblème de Pouf Souffle dans Harry Potter. Les secs pas. Forte quoi. Tu feras Hogwarts Legacy? Ouais, mais peut-être pas en live, peut-être même pas en let's play. Je pense qu'il y en aura suffisamment sur la toile. À la limite des lives privés si vous voulez sur Discord, mais je vois pas l'intérêt de mettre ça sur la chaîne en fait. Enfin, on verra, on n'y est pas encore. Il sort quand d'ailleurs? C'est en 2023 non? Ça a l'air pas mal ça là. En février 2023, d'accord. Bon, j'aurai le temps d'y réfléchir. Je sais juste que la fin de l'année là, elle va être costaud en RPG tout ça. Ça, ça a l'air d'être la suite par là, non? Pour le début de l'année 2023, je sais pas encore. Tiens, tiens, tiens. Bah, je me suis loupé. C'est pas grave. Ou le 2 octobre 2023, effectivement, quand on prend la date à l'envers. Un petit recrutement. Ah bah je l'avais pas lui. Parfait. D'ailleurs... Autant équiper des démons... On a envie de faire monter. Bon, ça me baisse mes stats de ouf, mais bon. C'est pour ça qu'il faut des démons haut niveau. Parce que les stats, elles suivent avec. Is very important, you know. On l'a déjà... C'est dommage parce que je parle à un espèce de poulet. Et c'est un autre démon qui apparaît alors que le poulet m'intéressait bien. Je suis pas sûr de l'avoir. Ah si. Je crois que je l'ai eu récemment. J'ai fait une fusion tout à l'heure, ça doit être lui, non? Ouais, c'est lui. Il y a un autre piaf par contre que j'ai pas. Attends, je serais déjà au boss là? Non, c'est pas ça. C'est pas le boss. Je pense pas.
À mon avis, c'est juste pour un objet un peu rare. Alors, ralentit la vitesse de déplacement des ennemis ou l'effet des objets de récupération de points de vie en combat multiplié par un 5. Allez hop. T'es plutôt dépensier, Saizo, non? Tous les jours, tu reçois de nouveaux trucs hyper chers. Hier soir, tu... À quoi ça sert d'économiser de l'argent si tu le dépenses jamais? Enfin, c'est surtout grâce à mes commissions d'invocateur. Alors, les invocateurs, leur compte, gagnent bien leur vie? Peut-être que je devrais me lancer là-dedans? Tu sais quoi? C'est une super idée. D'ailleurs, j'accepte les apprentis en ce moment. Je te ferai volontiers un prêt d'amis. Quoi, tu me ferais quand même payer? Escroc. Ouais, c'est sûr que c'est pour un objet, ça. Et j'espère que c'est une magnétite. Eh ben non. Tant pis. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Le mec, c'est un Mac ou bien? En tout cas, il a tout l'attirail qu'il faut pour. Hein. On va prendre le deuxième passage ici. D'ailleurs, il me restait toujours une... Bah, pas qu'une, en fait. J'allais dire une requête, mais non. Il y a le truc de la ligne 14. Les Zen, je les avais commencé hors live. Et je crois que c'est celui-là. Non. C'est là-dedans, en fait. Les ordres d'Ion. Alors ça, c'est un ennemi un peu costaud. Moustique. Elle va me saouler. Archange. D'accord, faut que je bute des archanges. Et après, il y a des orbes à récupérer, apparemment. Bon. J'espère que je vais moins galérer que pour l'autre. Ça, ça se rejoint. Ah, il m'énerve. Il est en train de rôder, là. Je comprends pas, j'en ai pas eu de tout l'été des moustiques et maintenant ils vont faire leur apparition. On va sortir le lance-flamme. Vous aussi pour les moustiques, ici c'est infernal. Mais depuis récemment ou... Parce que vraiment j'en ai eu zéro pendant l'été. Hein. Peut-être un, allez. Souvenir totem, ça c'est pas trop mal. Mais c'est pas encore ce qu'on veut. Absolument. 3 ou 4 jours, sinon rien de tout l'été. Ah bah ouais. Mais à mon avis, c'est les pluies bah de la semaine dernière déjà. Ils ont dû faire leurs larves et tout ça. Bon, ceux-là, je les zappe, ils sont bidons. Et de toute façon, ce sont pas des cibles que je cherche. Ah, mais du coup, j'ai le niveau pour faire les nommés qu'il y a dans chacun des chemins de la matrice de l'âme. J'avais laissé ceux des deux autres persos. On peut peut-être se les tenter. Je sens là qu'il est en train de m'agresser. Aya, viens gagner ta croûte. Mais toi, là où t'es, garde, tu dois en avoir beaucoup, non? Vu que c'est une zone très humide là-bas.
Après, comme il fait plus frais, non, pas forcément en fait. J'ai une connerie. Vous entendez une voix venant de quelque part. T'es en retard, Saizo. De 15 minutes précisément. Des heures sup, tu dis? Ok, mais t'aurais au moins pu m'envoyer un message. Bref, je me disais qu'on pourrait faire quelques courses avant de rentrer. C'est génial qu'on puisse faire ce qu'on veut maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y, Saizo. Quand vous reprenez vos esprits, l'illusion a disparu. Tout est calme autour de vous. Ah, les voilà. Ah, je l'ai loupé. J'ai hésité au dernier moment, en fait. D'habitude, il n'y en a pas beaucoup, mais là, c'est horrible. J'ai dû fermer les fenêtres, hein, carrément. Ouais, ils sont en retard et là, on va se faire agresser, quoi. Ah, d'accord. J'ai même pas le temps de dire ouf. Je me suis fait agresser direct. Combien qu'il faut que j'en bute de cela? 6. Bon. J'espère avoir un peu plus de chance que ceux de la dernière fois, où j'ai tourné pendant 25 minutes, pour au final ne pas avoir le dernier. Alors, là-bas, ça a l'air de continuer. Et ici, c'est un cul-de-sac. Parfait. Ouais, je les zappe parce que je suis bien au-dessus par rapport à la zone. Enfin, je crois. Je suis combien d'ailleurs maintenant? 31. Celui-là, je pense pas qu'il soit à 30. Ça m'étonnerait vu comment je les tue facilement. 26, ouais. Les suivants, par contre, à mon avis, seront un peu costauds quand on va arriver vers le boss. Pas de dodo. Parfait. Bon, encore une fois, c'est un peu stupide de ma part d'attendre de débloquer toutes les compétences sur des démons aussi faibles, on va dire. Parce que si je les fusionnais direct, je pourrais avoir des démons beaucoup plus balèzes. Et de toute façon, les objets tomberaient, puisque c'est à chaque niveau max. Enfin, à chaque niveau supplémentaire, je crois. Après avoir débloqué toutes les compétences, qu'on obtient des objets. Mais bon.
c'était pas bien grave. On va mettre ça. Dingo. Ah, Kendoza, t'es à fond ce soir. Hein. Au taquet, quoi. Ah non, je l'avais eu. C'est pas juste. Allez hop, c'était le dernier. Ah bah, impeccable. Oh la pauvre, elle s'est fait brûler vive. PM non utilisé. Enfin, c'est trop bien en fait ce truc. C'est vraiment une bonne zone de farm en fait ici. Hein. Tu te fais quasiment 10 000 par ennemi pour les thunes. Niveau XP c'est correct pour faire monter des démons bas niveau en fait. Je voulais changer un truc. Nocturne, c'est lui qui avait Nocturne. Je vais continuer de monter celui-là. C'est surtout grâce à l'ambiance qu'il y a ici, sinon c'est pas ouf en ce moment. Ah. Bah écoute, j'espère que ça va aller mieux. Mais pas sur le Discord, hein. L'ambiance elle est encore meilleure. Hein. Comme disait Gar là. Quand est-ce qu'on te voit sur le Discord? Je crois que ça va me permettre de finir la requête, ça. これならどう手応えある行こうか決めるぜ一気で誰に言ってるのサイズ食らえすぎだ立ちはだかるなら容赦はしない. Oh le coquin. Ok. Ah mais non, ça a ciblé celui du milieu. Yes. Bon là j'y vais pas à l'économie mais... Impeccable. Il faudra que j'aille au refuge si je trouve pas un démon qui me recharge un peu là. Je crois que Soma c'est un objet très intéressant. Soigne complètement les points de vie d'un allié, guérit toutes les altérations de statut autres que KO. Ouais, tous les points de vie. On peut emporter que 5 de ces objets. C'est normal. Sinon, ce serait ultra simple. Hein. Ah, ça, c'est un mob qui est costaud. J'ai la flemme d'aller dans un refuge. Enfin, au refuge. On va faire un essai comme ça, une petite prise de température, si j'ose dire.
C'est quel niveau normalement ça? 28, bon ça doit être gérable. Une créature étrange et menaçante rôde dans les parages. Ah oui, Milady peut pas participer au combat. Ça c'est absolument chiant ces trucs là. Ah ouais, je peux pas changer de démon. Oh là, qu'est-ce que c'est chiant. Ah, je me rappelle plus de sa faiblesse à celle de gauche. Ni celle du milieu d'ailleurs, j'ai tout oublié. Sauf celle de droite. Bon, déjà on en sort une. Ouais, finalement elles descendent très rapidement, donc ça va le faire. En fait ça doit être feu. Le problème c'est que j'en ai pas. Donc on va faire 100. Mais là j'aurais plus de difficultés parce que du coup je peux pas profiter des faiblesses de l'autre. Ah ça va. Il reste rien. Je vais pas changer. Ouais. J'avais un petit doute sur la faiblesse arme à feu. Voler d'épines. Ok. Mouais. Ça, c'est fait, c'est cool. Et je pense qu'on arrive bientôt au bout, en fait, déjà. Milady. Ouais, bah vivement Kendoza, hein. Je te l'espère en tout cas. Et on a tout. C'est super. Alors, on va quand même aller récupérer nos PM. Putain, j'oublie toujours que ça sert à rien parce que j'ai ça. Cidre pomme verte. C'est quoi ça? Ah, c'est pour Pex. Comme je le dis toujours, gars, il faut jouer des petites choses de la vie. Ça vient évidemment pas de moi. C'est parti. Une petite save. Ouais, c'était dans Zombieland, gars.
En fait, je suis pas sûr que le niveau 40 va me permettre d'aller plus loin après. Hein. Ah, un feu et un glace. Ça, c'est très emmerdant. On va quand même faire ça. Putain, j'ai du bol. Ça a ciblé ce qu'il fallait, en fait. Du coup, je vais rouler dessus. Là en fait j'ai la compo parfaite pour ça. Ah non, j'ai rien dit. J'ai pas du tout la compo parfaite. Ça va. Par contre il y a les renforts, ils attaquent direct. C'est quoi cette escroquerie? Je pense que si j'avais tué le Jack Lantern, il y aurait eu comment s'appelle Jack Frost. Bon, on va faire ça pour en sortir un très rapidement. Genre celui-là. Un biscuit Twinkie. Ah oui, je peux pas parce que j'ai utilisé le combo. Lui, il est mort. Mince. Non, ils vont survivre quand même. Allez. Oh d'accord, les autres ont pas de point de vie du tout. Ok, il fallait buter l'original. Easy peasy. アッシュ、そろそろ2人暮らしにも慣れてきたかよ。新しい仕事に入って1週間だっけ？そっちの方には馴染めてんのか？うん。店長もいい人だし、うまくやっていけそうだよ。カフェで働くのなんて初めてだけど、客に喜んでもらえるのが新鮮でさ。こんな世界があったんだね。アッシュのウェイトレス姿、すげえ似合うだろうな。 いらっしゃい。私服にエプロンだよ。バカ。それよりあんたの方はどうなの？ぼちぼちってとこかな。けどよ、実は早くも転職考えてるんだ。昼飯をアッシュの店で食えるような立地の職場を探してるんだが、どっかいいとこ知らねえか？もう、冗談ばっかり。たまには真面目なこと言えないの？そりゃ難しい。これでも、 子供の頃の夢はコメディアンだったからな。いや、なんなら今から目指したっていいのか。 なんだ？ 才蔵。俺たちの家だ。まさか。 私の足抜けが、気に入らないって連中、きっと。いや、それを言うなら、俺を恨んでるサマナーの仕業だろう。まだ近くにいるかもしれない。詳しいことは本人に直接聞こう。俺は家の中を調べる。足は周囲を探ってくれ。嘘つき。あ？才蔵。 ごめん。やっぱり無理だよ、私たち。
サマナーの運命からは。アッシュ?短い間だったけど、幸せだった。 Je les trouve vraiment cool ces séquences où on en apprend plus sur le passé des personnages. こうして俺たちの関係は始まって間もなく終わりを迎えたってわけだ。サマナーだった俺たちが逃れることのできない業とでも言うのかな。知りすぎてることが山ほどあるし、いつか踏みつけた連中が今度は仕返しにやってきたりもする。しがらみってやつだね。そうだな。アシは平凡な幸せを諦めて、 またサマナーの業に縛られちまった。結局俺たちは何も変えられなかったんだけど、お互い嫌いで別れたわけじゃないから、こうなんつうか胸にわだかまるものがあってな。聞いてて思ったんだけど、サイゾーが嫌なのってさ、サマナーであることじゃなくてファントムとヤタガラス絡みのいざこざなんじゃないの。 助けた相手の話とかってさっきから全然出てきてないし。だな。けど、これがまた厄介なことに避けては通れないいざこざなんだよ。あいつらの小競り合いから俺がリザヤを得てるのもまた事実だし。その立ち回り自体がちょっとずるくない？フリーなんだから他の組織と関係なくやっていけるはずでしょ。いやいや、簡単に言うなって。 この世界でサマナーをやっていくには仕方のないことなんだから、ファントムかヤタガラスのどちらかに組みするか、どっちにもいい顔してないといけないんだよ。長いものには巻かれとく基本中の基本だな。ダサいこと言ってるっていう自覚はあるよね。ありまくるぜ。ちょうだせ。サマナー始めた時はこんなつもりじゃなかったんだけどな。じゃあどんなつもりだったの。 Alors, lorsque vous frappez un point faible avec une compétence d'arme autre qu'attaque, un démon ajouté au combo. Il y a ça aussi quand même, hein. Bon, ça sera pour après. Dis Saizo, c'est un requin le truc qui pendouille sur ton comp? Ouais, un requin. La terreur des océans. Les dents de la mer, quoi. Ça envoie, non? Cool. T'aimes les requins, alors? Derrière son apparence terrifiante, insondable et sournoise, se cache un charme subtil. C'est tout moi, ça. C'est un peu comme mon animal totem. Moi, ce qui me fait penser à toi, c'est surtout son côté purement décoratif et inutile. Non, c'est Chico. Il a les mêmes dents. Alors... C'est quoi le niveau de ce truc? La porte est scellée. De toute façon, on n'a pas eu de message comme quoi c'était ouvert pour... comment s'appelle-t-il? Arrow. Donc ça veut dire qu'on peut pas aller plus loin, quel que soit le personnage. Donc là, pour le moment, ici, c'est terminé. Mais peut-être en avançant un tout petit peu dans l'histoire, ça va se débloquer. Si ceci étant dit, on a quand même les deux autres les ennemis. L'Inugami et celui-là, ils sont juste... Avant la fin, a priori, qu'est-ce que ça m'énerve ces trucs de mise à jour là? Donc on va évidemment sortir d'ici. On va les faire vite fait. Comme ça on va pouvoir rebasculer peut-être sur l'histoire. Ouais, j'ai assez de PM pour me les taper, je pense. Il y en avait un côté... Milady.
Ah ouais, là j'ai deux personnages en main quoi, avec Milady. Et là, Haro, ok, c'est parti. Je peux peut-être voir les faiblesses avant. Puisqu'ils ont l'air d'avoir très souvent les mêmes faiblesses finalement que les démons de base. Donc là, je sais que c'est un espèce de chien là, Inugami, je crois. Ici, je pourrais pas voir. Ennemi. Je l'ai vu. Inugami. C'est faible au vent. Faut pas faire de feu dessus. Il était par ici, je crois. Pas très loin en tous les cas. Avec le nouveau film Dragon Ball Super Heroes, il y a encore des persos en DLC qui sortent sur Xenoverse 2. Ah ouais? Ils ont pas arrêté? Il me tente vraiment ce film en tout cas moi. Il a l'air cool. Bon, il est où le clébard là? Il est là. Alors, une petite save. J'ai dit le Zef, on essaiera. Par contre, je peux pas changer de perso. Qui est-ce que je vais perdre? Ça, c'est Milady. Saizo ne peut pas participer au combat, donc il faut que je choisisse mes démons correctement avant. Basilic, ouais, bof. Ziozio, c'est pas fou. On va plutôt prendre ça. Yoroshiku onegaishimasu. Boost feu, on peut laisser. Je peux pas me prendre la tête outre mesure. Bonne nuit, Nana. Ce jeu fait un carton au Japon et on dirait qu'ils veulent pas le lâcher. Ouais, je trouve quand même qu'on en fait vite le tour. Hein. Alors, il y en a deux. Bon, ça le tue pas, mais. Il a pas de faiblesse. Ah non? Ah, mais j'avais pas vu, c'est pas les mêmes. Putain, j'ai cru que c'était les mêmes parce qu'en fait, j'ai pas arrêté mon regard dessus. Du coup, celui-là, je sais pas à quoi il est faible. Peut-être les attaques physiques. Ah non, pas le poison. C'est chiant ça. C'est bien les mêmes faiblesses. Putain. Si je soigne pas maintenant. J'aurais dû prendre un soin de zone. Je crois qu'ils ont fait le même coup dans Persona 5. Ah. Tu croises? Je sais plus ce qu'il craint celui-là. J'ai oublié. Bon, au pire, je pourrais refaire un essai avec du vent pour chacun. C'est pas un problème. J'ai pas encore perdu. Tant que je peux soigner, ça va. En plus, elle a le siphon. Attends, il s'est passé quoi là? Je vais faire ça quand même.
Mais aussitôt que j'en avais fait le tour, j'ai pas réussi le 100% à cause du pourcent du loot. Je sais pas, moi j'en avais marre de faire les events et tout ça, je trouvais ça chiant en fait. Là, faut que je soigne absolument l'autre là. Ah, je crois que je me suis. Ouais. Putain, j'ai du bol. Fallait que je me mange un autre poison. C'est trop bien ce truc. Qu'est-ce que je peux faire? Bah pas grand chose en fait hein. Ouais, j'ai tout intérêt à le taper lui. Ou alors lui peut-être que... Non. Allez hop, on remet full. Parce qu'avec le poison, c'est l'horreur. Hein. Voilà. Si j'arrive à en sortir un déjà, ça ira beaucoup mieux. Heureusement qu'elle est pas empoisonnée elle hein. Ouais ça va le faire là. Tiens déjà le poison a sauté sur elle. Et lui aussi, merveilleux. Moi j'ai arrêté de farmer les médailles Pity quand j'ai vu que tu pouvais en acheter sur le store, ça m'a blasé. Ah ouais, je comprends. Pardon ? C'était quoi ça ? C'est ça que j'adore dans ce jeu en fait. T'as l'impression que tu vois, t'as le dessus sur le combat et puis après il se passe un truc comme ça. Il m'a quand même OS, hein. C'est incroyable. Direct retour au début du jeu. Il devrait faire un mode comme ça. Alors, il ressemblait aussi à un serpent. Je le vois pas. C'est celui-là, Avatar. Donc lui, il craindrait la glace. Très bien. Ou le poison. C'est vrai que j'ai pas essayé alors que j'en avais du poison. Donc, il y en a un, c'est la glace, l'autre, c'est le vent. Très bien. Et la glace, c'est le vent. Du coup, on va faire quelques petites modifications. Elle va prendre le vent. Lui, il va rester là-dessus. Comme ça, il pourra soigner. Et qui c'est d'autres du vent aussi pour elle. Où ça? Maître du sommeil. Sinon, il y a ça pour le soin. C'était pas mal finalement. Et il y a quand même la berceuse. Mais la berceuse, ça touche deux ennemis. J'espère que l'autre ne régène pas dessus. Va-t'en, le moustique là! Il m'énerve! Tout le temps, il m'embête là. Tu vois ta save disparaître. Allez, rebolote. Peut-être que je le tue en premier du coup, je sais pas, parce que j'ai eu l'impression qu'il a fait ça au moment où j'ai tué l'autre. Déjà, c'est les mêmes faiblesses. Aya attaque griffe. Elle adore ça, Aya. Ah, il a pas la faiblesse poison par contre. Enfin, ruine. C'est ça le mot exact. Ah non.
évidemment. Ou alors tu dois tuer les deux en même temps. C'est pas impossible, hein. Ce serait pas la première fois que je vois ça dans un SMT Persona. C'est carrément pas impossible. Ça marche pas. Le sommeil. Ils ont pas sommeil. Bon, déjà lui il est mort. Et on va voir ce qui se passe. Ah, j'étais pas loin de les tuer en même temps. Hein. Saccage. Pour le moment, il fait pas l'autre truc. Ça, c'est pas grave. J'ai failli faire une bêtise. Bon, on saura pas. Ça, c'est fait. Et on sort d'ici pour le dernier. Par contre, le dernier, c'est deux persos en moins. Hein. Mais je crois qu'il doit être plus faible. Il me semble que j'ai vu le niveau, c'était 24. Ou alors c'est celui que j'ai fait qui était 24. Le tout premier. Je crois que je l'ai fait hier. Requête. Alors, Milady. J'aurais pas Haro et Saizo. Oh, ça veut dire Milady et... Ok, les filles, quoi. Très bien. 24, ouais. Bon, ça sera peut-être plus simple. En tout cas, on aura une meilleure défense. Faut juste que je prenne des démons assez hauts. Pour que la défense coïncide avec le niveau. Alors... Where are you? Oh là là! Putain... Je me suis fait rattraper. Il s'est fait avoir le petit margoulin. C'est pas lui, je crois pas. Non. Ah. J'en vois un là-bas, est-ce que ce serait pas lui? Si, c'est lui. C'est vrai que c'était celui-là, le rappeur là. C'est pas chiant du tout pour l'atteindre en tout cas. Faudrait que je prenne deux éléments opposés. Tu peux farmer comme tu veux, ça n'a pas d'incidence de trop monter en niveau. Déjà l'XP est vachement réduite par rapport à ta montée. Genre là ça commence à plus rien me donner ici.
Donc ouais, tu peux. Concrètement, tu peux. Alors, bah, je pense que je vais prendre l'autre qui fait de la foudre. C'est lequel? Il y a celui-là. J'en avais un autre. Celui-là. L'élémeu. Donc on va mettre évidemment ça. Et l'autre, on va mettre bah, le boost feu. C'est très 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 bien. Non, je vais mettre celui-là. Au cas où il n'y a pas de faiblesse. En fait, ce qui va monter surtout, gars, c'est les démons. Que tes personnages prennent des niveaux, ça va augmenter un petit peu leur PM, tout ça. Et peut-être bien un peu leur stat. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Enfin, je vais me faire agresser par l'autre derrière, là. Ouais, peut-être bien un petit peu leur stat quand même, mais c'est surtout les démons qui vont changer tes statistiques. Et évidemment, tes faiblesses et tout ça. C'est parti! Ah oui, d'accord. C'est le même combat en fait, j'ai l'impression. Bah, j'ai oublié les faiblesses. Et bah, j'ai trouvé une faiblesse. Par contre, j'ai pas de soin là, j'ai déconné. J'oublie toujours ce petit détail comme quoi. Ah bah non, là je peux changer. Bon alors ça change tout en fait. Ça change carrément tout en fait. Alors. Ah mince, comme c'est équipé, je peux pas l'enlever. J'en ai d'autres. Un autre. Ça par contre c'est très dangereux. Elle attaque deux fois en plus. Mais non, mais vise l'autre, t'es chiant toi. En plus il attaque deux fois, c'est ultra chiant. Accumulation de puissance, oula. J'hésite. Est-ce que je me défends ou pas? Je devrais en fait. Je sens que je vais regretter ce que je viens de faire là. Évidemment, c'est encore elle. Oh là là, laisse tomber. Secousse Apocalypse, c'est le truc qui m'a fait tout à l'heure, je crois. Ah non. Mais c'est pareil. Ça fait les mêmes dégâts. Donc on va tenter de le latter avant qu'il fasse son truc. Parce que je pense que c'est un nombre de tours en fait. Allez,
Ça par contre ça me fait super chier. Ah bah là j'ai du bol. Ça a touché trois fois l'ennemi qui m'intéresse. Bon, je pourrais pas faire la même chose. En deux tours, c'est pas possible. Peut-être en trois. Ah, mais non, mais il soigne. Mais c'est quoi ce combat là? C'est pas possible. D'un autre côté, quand il soigne, il fait pas autre chose. Faut le voir comme ça. J'ai un peu de bol sur les dégâts. Putain, dommage. Allez, c'est bon. Maintenant, c'est l'autre qui va faire Apocalypse. Ah bah non, c'était la bonne méthode. Bon, il m'aurait fallu quand même 3 essais, hein. Et on en a terminé ici. Easy. Pff, faut juste trouver la méthode en fait, hein. Mais j'avoue que c'est un petit peu abusé pour du 24. Tu peux exagérer. Mais du coup, on passe à autre chose. On en a terminé ici. Merci. Let's go.